Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des enfants parfaits. Charlotte, la belle Charlotte, les grosses tototes, fuminer les fruits du stress. Bah écoute, je te laisse faire parce que maintenant que toi t'as tout validé, voilà, pendant 6 jours, je ne vais même pas m'occuper de toi. Tu feras comme bon te semble dans ta vie, puisque tu es déjà parfaite. Et je compte sur toi, de toute façon, pour faire ce qu'il faudra. Tes devoirs, te laver, je sais pas. En plus, elle contrôle elle-même ses émotions. Moi, je trouve ça magique. Magique et magnifique. Donc, nous avons Charlotte. Et il me semble que c'était Philippe, qui aussi, lui, n'est pas besoin. On peut. Voilà, on est tranquille. Ah oui, non. Paul, il manque que le contrôle des émotions. On est dimanche. Donc, je vais pouvoir vous dire que celui-là, il va faire beaucoup. Mais c'est les deux qui sont parfaits, réussis, ils se lèvent, d'accord. Lui, il va beaucoup courir et écrire dans son journal intime aujourd'hui. On va pouvoir peut-être passer à 3 sur 7. Nicolas. Nicolas, c'est la résolution de conflit. On le sait, j'ai beaucoup de mal avec la résolution de conflit. Louise, c'est la résolution de conflit. Cécile, c'est la résolution de conflit. Il faudra que je refasse remonter ses manières. Et Aurélie, la résolution de conflit. Donc, en fait, ils sont quatre. Donc, il faudrait qu'ils se chamaillent les quatre. Encore, encore et encore. C'est très chiant. Alors, c'est sympa de faire du baby-foot dans la chambre avec ton frère qui dort. Alors que, bon. Ah, ben oui, Paul, il est pas. Philippe, il est parti se laver. Donc, voilà. Bon, de toute façon, eux, je les laisse se gérer. Il est dimanche, ils ont tous leurs traits de validés, c'est parfait. Ah, ça soulage, vous imaginez pas, de 7, je passe à 5, à encore améliorer, donc ça soulage, c'est plus facile. Et bientôt, ils seront 7 sur 7, j'espère. Oh là là. Non, mais ils bossent pas. Pourquoi ils le mettent en comme ça? Ah, parce qu'il a enregistré la fumination en étant en colère. Oui, c'est vrai que j'avais dit qu'il fallait que l'un des enfants se frite avec son daron. Il fumine à propos du stress. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à être stressés, ce qui... Ah ouais? Et du coup, ça augmente... Vous voyez, le titre que j'ai donné à cette série, c'est Les enfants parfaits. Enfants parfaits, ados parfaits. Ils font, regardez. C'est lui-même qui fait son truc pour se déstresser. C'est fou! Il le fait tout seul, comme un grand. C'est parfait, ils sont parfaits. Par contre, Nicolas, juste reprends ton truc avec toi, parce que faudrait pas que de mauvaises mains et de mauvais yeux te lisent. Dis donc, toi, les manières, ça va pas, et résolution de conflit de cocotte. Déjà, tu joues, je te laisse jouer. Marché aux puces, ok. Paul! Tu es debout, Paul. Après, tu vas prendre une douche. Et manger. Papa, il a presque fini. Paul, voilà, après tout ça. Après tout ça, mon polo. Tu pourrais courir. Deux fois. Deux fois, tu vas aller courir. Mais du coup, Philippe, il sait pas quoi faire. Il se dit, bah voilà, j'ai... Voilà. Tu fais? Regarder une vidéo amusante. Donc, ouais. Sinon, tu peux quand même aller courir un peu, juste pour remonter au top ta réseau contrôle des émotions. Ça pourrait le faire. Elle. Mais dis donc, comme ils maîtrisent. Non, c'est parce que quand ils sont adultes, qu'ils peuvent donner des conseils, voyez. C'est parce que c'est validé. C'est-à-dire, elle peut lui enseigner la résolution de conflits. Mais en fait, non. Mais en fait, non. Donc, Nicolas, tu vas être méchant envers ta sœur. Méchant. Embêté. Le beau Nicolas. Allez, embête ta sœur. Embête ta sœur. Et tu cries sur elle. Et puis tu pourras t'excuser. Et t'excuser. Et t'excuser. Je sais pas s'il va vraiment les faire trois fois, mais...
Et elle se marre. Oui! Ça monte! Mais non! Oh, t'es méchant! Tu lui as fait du mal à ta sœur! Oh! Complimente-la. Je sais, c'est moi qui l'ai fait, hein. Allez, Nicolas. Tu vas t'énerver sur ton frère aussi? Vas-y, tu vas être méchant avec ton frère. Tu vas lui crier dessus. Tu vas lui crier dessus et tu vas t'excuser juste après. Comme ça, c'est fait. On essaie d'avancer un peu. Allez. On va dire qu'il est mal pris ce matin, Nico. Il fait de la merde. Voilà. Et tu vas t'excuser. Ouais, tu peux pas. Complimente. Tu peux pas t'excuser? Mais tu... Vas-y, insulte-le alors. Oh, vas-y, on va y aller. Alors, un compliment, une insulte, crier dessus, c'est... Voilà. Et puis tu vas t'excuser. Mais ça marche pas, je peux pas m'excuser. Discuter des centres d'intérêt. Illuminer la journée. Bon, ah, c'est bizarre. Papa est debout. Papa est debout, il va venir parler avec Nicolas. Voilà. Nicolas, il va insulter son daron. Parler des rêves. Et partager des idées. Moi, ça, c'est fait. N'oublie plus pas que Paul, de toute façon, lui, doit aller courir d'après. Hein, donc, tout le monde est levé, presque. Hein. Ça fait de la grasse mat, là, les filles. Allez, on arrête de dormir. Toi, tu vas aller manger. Et toi, la Miss Gros Néné, attention, Louise va commencer à faire à manger. Parler de faire crac-crac. Histoire délicieuse, ok. Toi aussi, tu vas aller. Va-t'en, on s'en fout, on veut plus te voir. Et toi, tu vas être méchant avec ton père. Il faut que tu le mettes en colère. Embêté. Il est un peu gras, ton daron, d'ailleurs. Hein. Méchant. Demande l'indépendance. Tu vas l'insulter. Il est déjà mal à l'aise, John? Parce que c'est sale. C'est sale dans la maison, il dit. Hop là. Philippe fait le ménage, donc c'est parfait. Tu vas t'embrouiller avec ton fils aussi, tu vas dire méchant, raillé. Arrête de faire ton beau gosse, vas-y, excuse-toi. Va t'excuser. Puis, tu vas repousser. Paul, t'es pas parti. Faire ton jogging. Oh, le contrôle des émotions, il y est presque. Oh! Courir pour te vider l'esprit, courir pour te vider l'esprit. Allez, mon beau. Après, je m'intéresse à Aurélie et Cécile, que j'ai pas encore essayé de gérer aujourd'hui. T'es méchant, Nicolas, aujourd'hui. Tu vas crier dessus, un coup. Faut que lui soit en colère aussi, hein. Ça marche, hein. Perdre de l'empathie, mais pas encore trop, donc ça va. Mais il peut plus s'excuser, c'est what the fuck! Mais non! Vas-y, repousse-le. J'aime pas faire ça empêté. Méchant. Crier sur. Allez. Arrête avec ta télé. Compétence de fitness. Parfait. Il est parti courir. Et tout le monde. Tout le monde va regarder. Alors, arrêtez de gueuler dans mes oreilles, les enfants. Mais t'as... Discutez avec John. Tu vas le mettre en colère, ton père, ou comment ça se passe? Ça le fait rire!
Mais il peut pas s'excuser. Ok. Mais c'est super. Tu peux t'y mettre aussi à emmerder ton père, du coup? À être méchant. Enfin, un cadeau méchant. Allez. C'est les ados, ils sont en pleine rébellion. Mais c'est fou! Embêté. C'est quoi un cadeau méchant? Oh, c'est un cadeau qui prête! Dégueulasse. Insulté. Oh là là, la résolution de conflit! Oh là là. Tiens, tu peux nettoyer ça. Ça te ramènera les manières et ou la responsabilité, je sais plus. La résolution de conflit! Nous essayons de. Mais qui c'est qui a fait quoi? J'ai pas suivi, moi. J'ai rien fait, moi, c'est pas moi. Nico, tu peux toujours pas t'excuser. C'est pas possible. Je suis en train de pourrir leur relation. Et non seulement le père ne se met pas en colère. Ouais, c'est ton frère. Non seulement le père il se met pas en colère, et en plus, je peux pas m'excuser. Bon, alors, Louise, elle aussi, Louise et Aurélie vont se disputer un peu. Ok, attention, c'est la seule embêtée. Méchant. On ferait un cadeau méchant, voilà. Est-ce que tu peux t'excuser au bout d'un moment ou pas? Mais non! Mais c'est fou! Je comprends pas. Bon, après, tu vas t'arrêter et puis tu vas aller te vider l'esprit un petit peu, tiens. Ça te fera les pieds. Elle, par contre, ça passe pas. Voilà, ça... Oh, un cadeau qui pue! Moi, ça me fait rire, putain, je suis con. Mais elle peut pas s'excuser non plus, mais pourquoi? Avoir un cadeau. Ah mais elle, il faut trop qu'elle s'améliore. Hein. Tu vas dénigrer, tu vas l'embêter, tu vas crier dessus. Elle est tellement proche de la résolution de conflit. Oh, lui, il dose le ventre, tout va bien. Attendez. Non. Pourquoi ils peuvent plus s'excuser? Je suis en train de pourrir leur relation, mais tout va bien, quoi. Nico! T'as pas été courir. Je le vois, hein. Putain. Ah non, mais il va falloir se retrouver un Sims random, là. Elle, allez, grossière, paf. Vas-y, Nicolas. Et oh putain, il y a un petit bug. Ici, ça va toujours pas. Présentation grossière. Présentation grossière. Toi, t'es triste, pourquoi? Parce qu'il pleut. Oh, il est morose. Ouais. Insulté. Embêté. Méchant. Crié sûr. Hey, salut Paul. Paul, il a son contrôle des émotions. Paul est le troisième à avoir tout de bon. C'est parfait. Et voilà, contrôle. Il a tout. Il a tout, Paul. Il a tout, Paul. Il est parfait. Voilà, c'est ça y est. C'est un enfant parfait. J'en suis à 3 sur 7. C'est compliqué quand même. Hein. Tu dois pisser, mon sang fou. Allez. Dis des méchancetés. Bon, c'est pas trop ton empathie parce que Coco. Hop, toi aussi, t'es méchante.
Alors, est-ce qu'il peut s'excuser? Il s'est tout calmé. Et j'ai toujours pas mis. Ah, ça y est, il est en colère! Ouh là là, il est en colère. Tout va bien. Alors, réseau social, enregistrer les fulminations. Oui! Quand même réussi à le foutre en colère, papa. C'est déjà pas mal. Alors, les trois contre Liberty. Elle est très en colère. Grossière. Dégrine la colère. Non, 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 reviens là. Tu vas t'excuser. Et tu vas pousser. Oh, la baston, je le sens. Railler. Dénigrer la colère. J'en ai. Excuse-toi. Allez, excuse-toi. Ok. Va pisser, mon grand. Va manger. Toi, tu reviens. Non, non, tu. Tu vas la pousser. Tu vas l'excuser. Et tu vas t'excuser, toi. Donc, toi, tu viens ici. On va pas la lâcher, là. Essaye de se calmer. On va pas la lâcher. Voilà. Vas-y. Oui, il a eu 1500 abonnés. Tout va bien. Maintenant, il est joueur, donc c'est parfait. Il faut, je vais le laisser faire sa life. Bon, elle a pas validé. Je sais pas, il y a eu encore un truc là. Elle a baissé dans le contrôle des émotions. Oui, c'est normal. Provoquer. Mais il faut que tu t'excuses, cocotte. Hein. Merci beaucoup pour votre aide. Qui? Bon. Et Aurélie, je l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'elle a? Délirante, elle est malade. Ok. Toi, tu dois aussi. Non, bah alors toi, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas partir faire du bénévolat. Ouais, voilà. Bénévolat. Toute seule pour l'instant. Et truc de la plage, parce que ça j'avais, il y a qu'à la plage que j'avais vu un truc qui avait amélioré le contrôle des émotions, le résolution de conflit. Toi, tu vas t'excuser. Tu vas t'excuser aussi. Qui a-t-il non, bah non, là. Quoi? Mais qui c'est qui appelle tout le temps? Mais il est chiant, lui. Oh. Tu t'es excusé? Bien sûr. Critiquer l'apparence du visage. Ok. C'est tellement horrible de choper quelqu'un dans la rue et se taper la. Et se friter avec, quoi. Ah, attendez! Aider à améliorer une mauvaise relation avec Nicolas. Ça va peut-être se monter, ça. Oui, ça lui fait monter, ça, par contre. C'est marrant. C'est vraiment marrant. Bon, tu sais quoi? Tu vas rentrer, tu vas prendre une douche. Si tu veux prendre une douche. Ok, et ceux qui n'ont pas validé leur résolution de conflit. Donc Nicolas. Nicolas, tu manges, c'est parfait. Et tu vas partir faire du bénévolat également à la plage, tout seul. Voilà. Philippe, c'est ok. Toi, je te laisse. Mais toi, je t'ai dit. Putain.
Oh, j'en ai marre, il me fatigue. Tu vas aller prendre ta douche, puis tu feras aussi du bénévolat. Toute seule. À la plage. Et Cécile, t'es... Oh, les manières! Les manières, comment elles ont baissé! Non, tu vas pas te laver les mains. Tu vas nettoyer ça. Et tu vas partir aussi faire du bénévolat. Toute seule. À la plage. Comme ça, au moins. Et elle est rentrée à la baraque. Tout va bien, quoi. Regardez mes enfants parfaits. Nous sommes à 3 sur 7. On vérifie, hein. Je veux dire, tac, tac. Et tac. C'est parfait. Du coup, il écrit dans son petit carré, tout ça. Aucune compétence froide de la confiture. De la confiture. Du grand n'importe quoi. Toi, tu danses. Ok. Il y a moyen que t'appelles Lilith. Normalement, oui. Il est quelle heure? 18h. Il fait encore un peu jour, mais bon. Ah, voilà. Aurélie transporte un gros sac de chez alors qu'elle a trébuché et fait une chute spectaculaire. Quelqu'un qui lui plaît. A tout vu et elle est très embarrassée. Que doit-elle faire? Se défouler sur les déchets, ignorer sa gêne et continuer à ramasser des déchets. Bah ouais. Oublie sa gêne et ramasse. Le jury n'y a aidé. Gagner du contrôle des émotions. Bah c'est pas ça qui m'intéressait le plus personnellement. Tu vas faire un petit jogging aussi du coup toi. Hein, ça te fera pas de mal de perdre un peu de poids. Mes enfants parfaits sont là. J'ai dit, j'ai plus besoin de les gérer, ils font leur vie. Manger grand petit déjeuner. Ça a l'air, ça me donne envie, donc ça a l'air sympathique. Tiens, tu peux aller aux toilettes. Toi aussi. Ça sent bon. Par contre, pourquoi t'as pas nettoyé? Toi, mange. Hein. Paul, tu peux nettoyer ça, du coup, vas-y. Ah bah, Johnny, il a pas envie d'aller faire du sport. Mais oui, Lilith, viens! On t'a appelé, on voulait que tu passes. Tu t'as dit non il y a 5 minutes, maintenant tu veux. Bon, comme tu veux, hein, moi je m'en fous. Est-ce que tu vas te téléporter ou tu vas venir... Ah bah, elle est là. Elle est vraiment à se téléporter au coin de la rue, quoi. Vite à entrer. Ah, Nicolas, vu deux bénévoles se battre pour le même sac de déchets. C'est ça que je veux. Doit-il intervenir dans cette dispute? Restez en dehors de ça. Voilà. Oh merde, il a perdu, heureusement, son trophée, mais non! J'en ai marre! Oh, pitié, pas ça. Suis tellement... Il y a Corélie qui est le plus loin, quoi. Mais bon. Alors, invite à rester dormir déjà, comme ça au moins c'est fait. Se vanter de sa famille. Et comment elles vont les petites? Alors, certains elles veulent se moquer d'un autre parce qu'il marche lentement. On va aller voir les brutes. Oh putain. A perdu la confiance. Non mais je fais des choix de merde quoi. Flatté. Oh, mon petit menté sympa. Une journée. Allez, petite amie. Petite amie. Les trois là, ils ont besoin de personne. Embrassez langoureusement. Est-ce que tu veux être ma petite amie, Lilith? Ouais, elle le veut. Voilà, alors, lorsqu'elle voit un Sim âgé se débattre avec un gros débris, aider l'autre Sim. Le Sim âgé. Alors, lui se présente, le Sim âgé, si, et les deux Sims font équipe pour évacuer un grand nombre de déchets sur la plage est beaucoup plus belle lorsqu'ils ont terminé. Donc, elle a gagné. Elle a gagné de l'empathie. Mais c'est pas de l'empathie que je veux. Tu repars en bénévolat, toute seule.
À la plage. Allez-vous. Mochibichi. Dis ma belle, y a moyen que tu me transformes ou pas? Demander une transformation. On peut toujours essayer, hein. La dernière fois, ils n'avaient pas voulu qu'elle est belle. Hein. Mais je ne perds pas espoir. Un papa vampire, ça le fait. Ah, il doit avoir 100 000 abonnés, quoi. C'est énorme, hein, ça est pas. Hein. Elle a dit non? Mais Lilith, tiens, on va faire un bébé à la place. C'est pas grave, moi je lui ferai tant plein de gosses, hein, demander un mariage, blague perso. Qui est là? Qui t'es, toi? Masami Yamamoto. Non. Non. Alors ça, par contre, faire des gosses, elle veut bien. Mais transformer son mec en vampire, bon. Tu vas redemander une transformation, hein? Moi, je lâche pas de vue que... Oh, ils ont cassé la télé. Tu peux réparer, Paul, s'il te plaît? Nicolas? Non. Alors, toi, t'es revenu de ton truc. Viens me prendre une petite douche. C'est bon pour le caractère, ouais. Et t'as pas... T'as rien appris. Putain, les manières, par contre, c'est tout juste, hein. Oh là là... Mais non, tu vas pas nettoyer, tu l'as nettoyé déjà. Enfin, il a déjà été nettoyé. Tu vas évacuer le stress. Déjà. Mais c'est ce que je t'ai dit, fais le pain. Évacue le stress auprès de ta sœur, qui est parfaite. Et pourtant, c'était une thug, hein, Charlotte. Hein. Vas-y, complimente-les. Tu vas gagner en manière. Voilà. Et moi, je te renvoie... Oh non, mais je m'en fous. Hein. Bénévolat. On est dimanche, on a le temps, même si demain, voilà. Ah, ils ont fait crac-crac déjà? Faire un massage. Ah non, hein. Elle veut pas. Hein. T'es chiante, Lilith. C'était pas une... C'est une vampire? C'est une vampire, on lui demande à elle. Alors, à ramasser les gels parce qu'elle a vu de... Trouver le propriétaire du portefeuille. Oui, il y avait le propriétaire qui l'accuse immédiatement de lui avoir volé son portefeuille. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Heureusement, on a beaucoup d'empathie. Mais j'en ai marre. Va te distraire, Nicolas. T'as raison. C'est pas une vampire, elle? Présentation amicale. Je sais pas, je me dis qu'elle pourrait être une vampire, elle pourrait nous transformer. Pas. Bon. Faire l'éloge à la voix de vie de vampire. Sans tant qu'elle grogne pas, on a aucune certitude, hein. Avouez sa peur des vampires. Faire connaissance. Elle est bienveillante. Elle est vampire! Demandez une transformation! Ah bah y'a personne qui l'aime. Ah ouais non mais tant pis. Hein. Je savais que c'était une vampire. Je l'ai vue dans ses yeux. Lui il est parti. Ouais, il est parti se coucher, très bien. Oui! Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi ce look? Papa devient vampire! Parce que Lilith n'avait pas envie de le transformer, ouais. Toi! Toi, ça va pas non plus. Est-ce que lui, il peut donner des conseils à elle? Aider à améliorer la formation, Caleb. Allez. Et voilà! Il y en a un qui va être vampire. J'ai réussi. Et voilà, il va pouvoir le dire à sa meuf. Faire crac-crac, allez.
discuter. Ramasser déjà ton portefeuille perdu. Bah, je vais encore trouver le pour. Ah, voilà, et là, ça se passe bien. Responsabilité. Mais je m'en fous de la responsabilité. Oh, je désespère. Je désespère. Je désespère. Nicolas, ça va mieux. Bénévolat, c'est amusant. Non, non, non. Viens manger et viens te distraire. Ok. Ils vont faire crac-crac et là, on pourra lui dire de partir. Tu as servi juste pour nous donner l'immortalité. Ah, je vous jure, c'est pas de tout repos. Donc toi, tu vas prendre quand même une douche avant de d'aller dormir. Hop, hop, hop. Toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Elle. Tu mangeras après, tu iras aux toilettes. Ah oui, il y a une fléchette ici, d'accord. Ok. Paul, peux-tu aider? C'était quoi? Apprécier la compagnie. Ah bah oui. Bah oui, vas-y, vas-y. Amical, se renseigne sur les autres sims. Non. Est-ce que du coup tu peux me dire à Nicolas à aider à mauvaise relation Liberty? Ouais. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que Nicolas va gagner en résolution de conflit? Tu as raison. J'essaierai la prochaine fois. Ça remonte rien, hein? Et de la mesure. Ah, ma Samy, voilà. Là, normalement, ça devrait le faire. Ouais, là, ça l'a augmenté, sa résolution de conflit. Ok, mais nickel. Alors, du coup, améliorer. Ah, mais je vous jure, moi, c'est le truc qui m'obsède dans cette partie. Là, on peut pas. D'accord. Nicolas, est-ce que tu peux améliorer la mauvaise. Ouf. Non. Mais toi, tu peux lui demander d'améliorer. Non, 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 il n'y a pas. Elle. Elle, est-ce qu'elle peut dire d'améliorer? Je vous jure, c'est compliqué. Non. Est-ce qu'il y a pour lui, elle peut lui. Oui. Et deux fois, apparemment. Ah, ça, c'est cool. Ça pourrait lui faire monter à Louise. J'espère, comme ça, au moins, c'est fait. Arrête avec tes fléchettes, parle à ton frère. Oh mais c'est quoi tout ce merdier là? Voilà. Alors, tu vas l'aider. Oh là là, oh là là, ça y est, ça y est. Regardez, elle monte, elle monte. Vas-y, encore une fois. C'est compliqué, je vous le dis, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle fait? Analyser la personnalité? Mais améliore. Ouais, vas-y. On verra pour Aurélie. Cécile. Vas-y, vas-y, améliore cette relation. Aide-le. Ouais. Tu lui dis ou pas? Mais putain, mais pourquoi? Mais ils peuvent pas le faire plus d'une fois, c'est chiant. Non mais voilà, ils peuvent pas le faire plus d'une fois. Est-ce que lui, il peut donner les conseils à sa sœur? Non. Oh, j'en peux plus.
Oh là 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 là. Hop, vous faites un bébé. Oh, oh, ça y est, ça y est, ça y est, Louise est bonne aussi. Oui, j'en ai 4 sur 7 de validé. Oh mon dieu. Je pensais que ça marcherait pas. Oh, elle a validé tout juste, mais elle l'a validé. Mets la table avec sophistique et bordure. Ouais, laisse ton frère... Oh la vache! Elle aussi a un poil de cul, par contre elle a perdu ses manières. Donc ça va pas. Tu vas bien parler à ta sœur. Tu vas la complimenter. Non mais tu peux manger. Faut qu'elle va aller aux toilettes. Non, bah mange. Mange. Ils sont en train de faire des choses là. Ok! Louise! Donc moi, j'ai Paul. Cécile, Charlotte. Philippe. Et Louise, qui sont validés. Il nous reste donc Nicolas. Cécile et Aurélie. Aurélie, il y a plus de taf. Hein. Elle est là plus loin. Hein. Résolution de conflit. Cécile, tu vas réaugmenter tes manières, parce que tu les as perdues. Complimenter. Illuminer. Complimenter la tenue. Je pense que c'est déjà pas mal. Et tu peux écouter la S-pop si ça te plaît. On va voir Cécile. Si ça monte. Alors, c'est pas ici, c'est là. Les manières. Complimenter. Encore. Ne lésinons pas sur les compliments. Ça va pas, mon petit, t'es malade? T'es fiévreux? Oh. Viens manger. Pour l'instant, tu peux encore peut-être manger, mais après, ce sera fini. Ça y est, elle a récupéré les manières. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est très cool. Et Dame et Lorraine. Oh oui, dites-moi. Dites-moi que je vais pas arriver. On est à 4. Oh putain, je suis à 5 sur 7. Je reviens toi. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est parfait. Ah, c'est pas vrai. Non, mais franchement, je ne m'y attendais pas. Oh, la vache, au dernier moment, quoi. Au dernier moment, on valide Cécile. Il nous reste que Louise et Aurélie. Oh, c'est le pied, bon sang. Lilith va tort. Elle est là, hein. C'est une marque. Non. Il est 3h du matin. Ah, tu iras dormir. Non, mais c'est pas grave, toi, tu iras dormir aussi. Hein. Oh, je suis trop contente, funaise, on continue là, ça y est. Les enfants sont de plus en plus parfaits. Là. On a réussi à le challenge là. Les gars, on a réussi le challenge. Enfin, 5 sur 7, quoi. C'est génial. C'est génial, je m'y attendais pas. Ah oui, John, moi aussi, j'en peux plus. Est-ce que t'as des médocs sur toi? Oui, t'en as 13 quand même. Vas-y, tu m'en prends un. Pourquoi t'as un caca? Pourquoi t'as un caca dans ton inventaire? On n'a pas d'animaux, on n'a pas de place pour les animaux. Mais lol. Lol. Tu vas aller au pipi room. Eh non, Louise, c'est le lit de ton daron. Alors, ça va pas du tout. Déjà, il est où ton lit à toi? Non, mais ça... Par contre, eux, au niveau du lit, sont toujours fuckés. Hein. Toi, t'as faim? Ouais, d'accord, si tu veux. Mais non. Je vais dormir. Cécile. 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 Ton lit. Je sais pas, mais dans ce cas-là, tu dors dans ce lit, si tu veux, mais... Ah, elle est partie vomir, elle est déjà enceinte. On va avoir plein de bébés avec Lilith, ça va être génial. Je pense qu'elle s'en va. Je suis pas sûre. Lui, il est guéri. Et tu vas pouvoir aller dormir. J'aurais voulu le faire streamer, mais là, il est tard et tout, à 4h du matin. On va bientôt... Ah non, elle s'en va pas. On va passer bientôt au lendemain, donc ça va pas le faire, quoi. Nicolas, il mange, et après, il pourrait retourner au lit.
Bah, le seul lit dispo, c'est celui-là. Donc tu iras dormir après. Faut que tu sois en forme pour aller à l'école. Mon petit Nicolas. Il nous manque. Non, attendez, je sais plus compter. On est à 1, 2, 3, 4, 5. Oui, si, 5. Ah non, c'est Nicolas et Aurélie. C'est pas. Je sais plus moi. Jésus, j'ai dit tout à l'heure. Je me perds dans mon bordel. Bah, dors, Coco. Qu'est-ce que tu attends? Dors. Allez, zou, au lit. Et on va éteindre ça. Voilà. Et on va se laisser là-dessus avec 5 enfants aux qualités personnelles validées. Nous sommes à 5 sur 7 de la perfection. Je vous embrasse très fort. Je vous dis rendez-vous pour la semaine prochaine pour les enfants parfaits ou d'autres choses. Allez, salut!